Comment vous ne voyez pas? Apercevez-vous ces trois étoiles qui forment comme un trépied? Eh bien, la plus élevée des trois est juste au-dessus de la tête de la belle dame et les deux autres à la hauteur des coudes. Au moment où monsieur le curé s'approche de la grange, une petite croix rouge se forme instantanément sur le cœur de la belle dame. Un ovale se dessine aussi autour d'elle. Quatre bobèches, simples, apparaissent, ces bougies ne sont pas allumées. Prions. Le chapelet à peine commencé, la belle dame se met à grandir. Tandis que l'apparition grandit, les étoiles se multiplient merveilleusement. Elle est presque toute dorée. Enfin, les étoiles du ciel viennent se grouper au-dessous de ses pieds. On entonne le Magnificat. Et voilà quelque chose qui se fait. Une grande banderole blanche vient de nous apparaître. Des lettres se forment. Mais priez mes enfants. Après, on entonne les litanies de la Sainte Vierge. Et voilà quelque chose qui se fait. Des lettres se forment encore. Dieu vous exaucera en peu de temps. Les litanies terminées, on entonne l'Inviolata. Et voilà encore quelque chose qui se fait. Sur une nouvelle ligne, au-dessous de la première, de nouvelles lettres se forment. Mon fils. Alors, après l'Inviolata, on chante le Salve Regina. Et des lettres continuent à se former. Mon fils se laisse. Et à la fin du Salve Regina, mon fils se laisse toucher. Un gros trait d'or souligne cette seconde ligne qui se termine sans ponctuation. Monsieur le curé fait chanter le cantique « Mère de l'Espérance ». Aussitôt, la Sainte Vierge lève ses bras. Voilà qu'elle rit, voilà qu'elle rit. Oh, qu'elle est belle, oh, qu'elle est belle. Tout en souriant ainsi, elle semble accompagner le chant. Elle remue ses doigts à peu près comme une personne qui jouerait du piano lentement, délicatement. Vers la fin du cantique, la banderole avec l'inscription disparaît tout à coup. Monsieur le curé fait chanter le cantique « Mon doux Jésus ». Voilà qu'elle retombe dans la tristesse. Encore quelque chose qui se fait. Une croix rouge paraît en avant de la très sainte Vierge qui abaisse les mains pour la prendre et la tenir devant elle. Une des étoiles que nous avions vues se ranger au-dessous des pieds de la Sainte Vierge se met en mouvement, entrant dans l'ovale. Pendant tout le cantique, la Sainte Vierge a les yeux constamment baissés. L'expression de tristesse sur son visage ne saurait être rendue. Les larmes ne coulent pas, mais la tristesse dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Alors le vénéré Père Guérin fait chanter l'Ave Maria Stella, et aussitôt le crucifix rouge disparaît. Les mains de la Sainte Vierge s'abaissent et reprennent la position qu'elles avaient au commencement. Les quatre bougies restent allumées jusqu'à la fin de l'apparition. En même temps, deux petites croix blanches paraissent plantées sur chaque épaule de la Sainte Vierge, dont la tête est ainsi en quelque sorte encadrée entre deux croix. Après l'Ave Maria Stella, monsieur le curé invite à la prière du soir. Et nous voyons apparaître une sorte de voile ou drap blanc qui monte peu à peu, comme en se déroulant en avant de la Sainte Vierge. Elle a retrouvé complètement son joyeux sourire. Ce voile, arrivé à la hauteur de la ceinture, s'arrête quelques instants. Le voile reprend sa marche pour s'arrêter à la hauteur du cou. Après un arrêt un peu plus long que le précédent, le voile continue à monter, cache progressivement le visage et s'arrête encore au bas de la couronne
pendant un instant. Enfin, tout disparaît subitement au moment où s'achève la prière du soir. Voyez-vous encore? Non, c'est tout fini.